Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion sur le Note Sauvery, puisque bah, c'est comme ça, c'est marqué dans le titre, il paraît. Ouh, j'ai mal cliqué, j'ai supprimé tous les collègues moches, c'est pas ma faute, je maîtrise pas encore la souris, c'est exactement ça. Et nous nous retrouvons donc en ce jeudi soir 22h41, cinquième jour de l'hiver. Et Miss Marina, la duchesse, est tristesse parce que ben... son mari vient de rendre l'âme, parce que c'est comme ça qu'on s'était quitté la dernière fois. Chamallow et Claco. Chamallow est mouru, brutalement. Et c'est triste. Alors que notre ami Toto, notre ami Yaya, notre ami Toya, plutôt pas mal, lui, ben, il s'en fout. Son père, rien à foutre. En plus, c'est vrai, hein, regardez, il en a absolument rien à carrer. Il est même content d'avoir joué avec Roger ou Merguez, je sais pas encore lequel. Mais lui, tout va bien. Et tant mieux, parce que de toute façon, on doit aller bosser pour peut-être avoir une promotion. Comment ils vont ? YouTube, je vais me laver, vous en faites pas, j'ai bien frotté partout et ça sent bon. J'ai pas envie de savoir. Paix à son âme, tout à fait. Il est décédé au nez. Il est parti dans un autre univers. Puisqu'il est dans, normalement, l'inventaire de son fils. Voilà, Chamallow est là. Chamallow qui a fait chavirer énormément de cœur. Et mouiller beaucoup de culottes. S'en est allé. C'est triste. Bah oui, c'est vrai, Cham Cham, bah oui, c'est ça. Cham Cham Inou. Cham Cham Wador. Oh bah ça va, elle s'en remet vite, elle passe l'aspi. Et au moins elle est utile, hein, jusqu'à la dernière minute. Moi je dis ça va, allez va dormir. Bah, bon, j'avoue que tu vas pleurer avant. Tu vas pleurer avant parce que tu es triste. Tu as perdu ton j'allais pas dire ton mari parce que tu t'es jamais mariée. Mais bon. Oh, quelle horreur. Et si vous voulez, j'ai... parce que ça me fait penser au cadre qu'il y avait au-dessus, hein, Chamallow qu'on revoit ici, hein, tout jeune, tout beau, tout fringant. La maison est partagée sur la galerie, vous pouvez la retrouver sur la galerie à Jean Charley, évidemment. J'ai enlevé, bien sûr, ce tableau-là, puisque c'est une photo de famille, et les portraits ont été retirés ici aussi, puisque bah, ça... sinon ça marquait que j'avais un CC. Donc voilà, ah. C'est parti. Note Sauvery, génération 8. Ah, Roger est parti encore faire des petites affaires dans l'espace. Pour changer. La maison maintenant va devenir très très vite, puis parce que aussi la duchesse, bah, elle va pas claquer maintenant, mais ça va pas tarder. Chamallow est dans l'inventaire de son fils, tout à fait. Et dans la poche arrière, c'est celle où tu t'assois dessus. La pyjama couleur peau, j'ai cru qu'elle était tout nue. Bah, c'est le problème de la couleur pêche. Je suis d'accord avec toi, mais c'est comme ça, y a pas le choix. Ils vont bien les deux, bon, de toute façon y a la duchesse qui est là s'il faut. Donc si y a la duchesse, rien ne presse. C'est beau ça comme slogan, ouais, je le dépose, hein. Vous me devez de l'argent maintenant si vous l'utilisez. Salut Kikissime, comment vas-tu? Coucou Kitty, comment vas-tu? J'ai oublié d'aller apprendre aujourd'hui. Pas de soucis, hein, vous n'êtes pas obligé, mais bon, si elle vous plaît, après voilà, c'est assez sommaire comme déco, hein, on n'a pas été non plus... Mais si elle vous donne envie, ou si vous voulez la relooker, faites-vous plaisir. Ça va, hein? Il a des bons gènes, hein, celui-là? Montoya, j'espère que tu nous feras des belles, plein de filles belles, hein, plein de filles, et que des filles surtout. D'ailleurs, si ton premier enfant est une fille, on s'arrêtera là. Je veux que ce soit une fille la prochaine. Donc pour l'instant, eh ben, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et vous allez discuter entre vous quand même, c'est pas une raison. Tu l'aimes beaucoup cette maison, ça me fait plaisir, Anne, c'est gentil. C'est gentil!
En plus, bon, t'as une décoration assez, assez... Bon, puis t'as de la place, hein. Tu peux faire ce que tu veux dans les chambres. Ça va, c'est assez sommaire en vrai. Peut-être que ce qui est le mieux travaillé, c'est le jardin au final. Il y en a un, au moins, un sacré jardin même. Alors, tu devais faire quoi, toi? Interroger un suspect. Oui, on est pas obligé de faire l'aspiration, c'est vrai. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais oui, nouvelle maison, on a commencé la semaine dernière déjà dedans. J'ai un souci pour différencier la génération pêche d'orange, c'est pareil en fait. Disons que c'est un orange plus clair. Donc c'est un peu moins vif, mais voilà. Donc pour les cheveux, en fait, j'ai utilisé ce blond là. Parce que pour la génération jaune, on a utilisé le jaune pisse. Et là, bah, c'est un jaune un peu moins pisse. C'est comme ça que je les différencie, mais en vrai... c'est depuis le départ que la génération pêche allait arriver. Hein. Je l'ai tout de suite dit, je ne comprends pas cette couleur et cette génération, puisqu'elle n'existe pas dans les Sims, en fait. Je sais pas, ils auraient pu mettre blanc ou noir, ou j'en sais rien, mais... J'ai la mémoire qui flanche. Bah oui, bah bien sûr. Eh, toqué là. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Qui fait son sport dehors? Qui c'est ça? C'est moi. C'est ma Simself. Et qu'est-ce qu'elle fout là, cette grognasse? Alors, je vous rassure, je ne fais pas mon sport et encore moins en culotte. Alors, je cours pas parce que j'ai des genoux de merde et je me balade pas en culotte dans la rue. Voilà, vous êtes rassurés, vous allez mieux dormir cette nuit. Hein, parce que... Oh! Alors, j'ai pas des aussi belles fesses non plus. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Shirley? Ça ne va pas du tout. Tu t'appelles comment déjà? Shirley Targaryen, bah oui, bien sûr. Oui, alors, ce n'est pas mon... Alors, j'ai installé cette famille, mais c'est une famille qui m'a été partagée hein, par un certain Martial. Et donc, c'est ma Simself, hein, il a pris ma Simself, il a pris son Simself, et il les a mis, hop là, voilà. Donc, on est dans le Mnos Obéry. N'est-ce pas? Une génération blanche, ça aurait fait hôpital. Mais pourquoi pas, en vrai? Je t'ai reconnu tout de suite. Sport en culotte. Bah écoute, c'est pour l'aération. Ça passe plus, c'est mieux comme ça, tu vois. Je me balade pas en culotte. Je demande des preuves. Alors si j'y pense demain, j'essaierai de prendre une story sur Insta. Il y a personne qui va comprendre. Vous me verrez marcher, mais avec un bas. Je sais pas ce que je mettrai demain. Mais j'irai dans la rue exprès pour me filmer en train de marcher. Ça vous va? Mais bien sûr, Anne, je suis dispo dans la galerie, mais je suis avec mes deux chats et je suis une sirène. Faudrait que je remette à jour la Simself. Hein. Et puis voilà, vous pouvez y aller, pas de souci. Hein. Elle est dispo. Hein. On a des enfants en plus, mais pas dans notre Sauberie. Hein. Enfin, pas encore. Là, j'aurais dû regarder. Tiens, si t'étais aussi fertile que dans ton jeu. Ah bah alors, Toya, on fume de la beuh, je t'ai vu expulser de l'air, là, petit coquin. Alors, se faire assigner une affaire. Ah. C'est vrai. Bon, je suis désolée, Satoru Yamakazi, mais tu vas mourir. Déjà, tu dégages. Ouais, non, mais en fait, je vais le tuer. Ça ira plus vite. Je suis désolée, mais nous, il nous faut une meuf. Et si c'est des vieux qui servent à rien... moi, ça m'intéresse pas. Code de triche. Triche sur l'information du Sims. Tiens, triche pour la profession, si tu veux. Tiens, tu démissionnes et casse-toi. Ouais. Ouais, dégage. T'es démissionné par toi. Qu'est-ce qu'il fait? Discuter. Eh, démissionne, casse-toi. Je suis gentille. J'ai juste demandé à ce qu'il démissionne, pas le tuer. Qu'est-ce que c'est ça?
Oui. Non. Mon animal marin. Hein. Oh là là. Je vous dis qu'on est mal barré. Ah. Merci beaucoup Marine Affaire pour ton petit follow. Bienvenue à toi. Supprime-le, tue-le pas. Ouais. Réceptionniste là. Oui. Oh, ah, le nez. Ah, le nez. Ah, il y a un petit souci de, na de naso là, c'est dommage. Il y a un petit souci de naso. Putain, encore des vieux! Allez. Ah non, mais alors, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va pas être possible. On va. Tricheuse information pour la profession démissionnée. Allez hop, dégage. Fous le camp. On veut pas te voir. Toya a obtenu une nouvelle affaire. Quel bonheur! Allez, patrouiller, parcourir la base de données de la police. On va faire ça vu qu'on est déjà sur le PC. Commencer un tableau d'investigation du crime. Toi aussi, d'ailleurs, tu vas dégager. Ouais. C'est comme ça. J'ai décidé que t'allais dégager. Code de triche. Information. Triche pour la profession démissionnée. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez comment ça peut-être fonctionner le MC Command Center. Vous avez déjà une vidéo dispo sur ma chaîne. Si vous voulez aller la voir. Elle est trop mignonne, ça, dans des souhaits, mais... Salut Marina, comment vas-tu? Chérie, j'ai démissionné, apparemment, j'ai ni l'âge, ni le sexe, ni la beauté. Tout à fait. Tu sers à rien, quoi. Mais tais-toi! Me parle pas, wesh! Discuter des terreaux de l'affaire avec quel collègue? On va aller voir le chef. Il nous adore. Mais casse-toi! Dégage. Dégagez les deux, là. Allez hop, foutez le camp. Ah, et à chaque fois qu'il discute avec le chef. Fouiller les criminels à la station de machin. Fouiller le sous-sprout. Ah bah allez, on va le prendre Rachid parce que. Bah. Oh puis alors le cliché. Parce qu'il était le moins moche des quatre. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Putain. Je vais passer mon temps vers ça. Je suis désolée, hein. Mais c'est de la triche sans être de la triche. Voilà, c'est à un moment donné, faut laisser sa chance aux nouveaux venus. Ces gens-là ne correspondent pas à ce qu'on s'attend. Hein. Quand ils seront plus dans le commissariat, ça laissera peut-être la chance à un autre PNJ de s'emparer du poste. Hein. Ça suffit le chômage maintenant. Faut faire tourner les emplois. Hein. Salut Léonéa, comment vas-tu? Salut Natsutsuko, comment vas-tu? Tu râles déjà toujours. Toujours. Non, mais là, on est censé se marier avec une collègue. Vous avez vu les machins? C'est quoi ça? On est censé se marier avec une collègue, faut donner la chance. Hein, donc les vieux, les moches, et voilà, ça dégage. Ça, on fait tourner un peu la voilà, et on a ça qui pop. Hein. C'est quand même nettement mieux, on est d'accord ou pas? Hein? Bon. Alors venez pas commencer. Hein? Bon. On n'a pas le choix, ça doit être une collègue. Moi je contrôle pas. Mademoiselle a décidé de venir travailler. Mademoiselle est plutôt charmante. Peut-être qu'à la 06 ou à la 07. J'adore celle-là. Il va la saluer après avoir tripoté un détenu, c'est du propre. Salut Mamie Odak, salut Coco, comment vous allez? Mais oui, il faut laisser la chance aux minettes. Quand même, faut pas déconner. Regarde-moi ça, il va faire son joli cœur. Ah ouais, il va faire son joli cœur. Et lui, il est... Et lui, il est là. On l'a déjà fouillé? Faire un rapport de police avec un civil, commencer un tableau avec un... Voilà. Comment on le remet là-dedans déjà, lui? Ah, mais on peut pas? Enfermé dans la cellule. Cliquer sur la porte de cellule. Ah, pardon. Excusez-moi, hein, je suis encore une apprentie flic. Hein. Allez, Rachid, retourne. Retourne.
Salut, sinon, c'est quoi ton avis sur l'affaire? Tu sais, il va sûrement falloir qu'on aille patrouiller ensemble, je sais pas, peut-être que si tu me donnais ton numéro, on pourrait peut-être patrouiller ensemble, tu vois, enfin, ça peut être... ouais, hein, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. J'aime bien cette petite blonde, hein, quand même, hein, la cuisine! Je suis désolée, Jenny, il faudra sûrement que tu démissionnes pour que tu t'occupes de nos gosses, mais... Ouais, raconte une histoire drôle, faut que tu montres que t'as de l'humour, hein, pour un flic. C'est... En ce moment, vous avez pas la cote, hein, les flics, donc... Salut Tinouï, comment vas-tu? Salut Axapa, comment vas-tu? Jean, madame, vous avez l'air physiquement très intelligente. Ah bah, écoutez... Voilà, on a donné la chance aux chansons. Voilà la chanson. Salut, c'est Yoali, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je pourrais t'enseigner à utiliser les menottes et ma matraque. Tout à fait. Ne soyons pas timides, voyons. C'est bien ça, parce qu'on avait rencontré l'autre nana l'autre jour, là. Eh ben, on va pouvoir faire un petit brief. Oui. Oh bah elle est choupette elle. Il faudrait juste... Bon juste elle a les yeux marrons hein, mais elle est mignonne. J'aime bien un peu son style hein, mais bon les sourcils c'est pas trop ça mais... Bon, elle par contre elle a l'air colère. Hein. Elle a l'air colère, j'ai pas envie de lui parler. Bon. On va faire un rapport de police avec Madame Colère. On fait connaissance tout doucement, ne vous inquiétez pas. Voilà, une nouvelle recrue. Bon c'est un homme. Mais non il était déjà là tout à l'heure lui. Oh merde. I don't remember. Encore fouiller les criminels? Oh, crottin. On va faire notre tableau. Vous venez d'avoir votre badge, serait possible de parler à un policier expérimenté. Oh! Fais gaffe, toi, parce que tu sais que tu peux mourir tout de suite, en fait. Tu me cherches, tu vas me trouver. Tu parles pas comme ça à mon héritier. Ça va bien, ouais. C'est quoi ces Sims, ça? Il se croit vous. Hein? Il se croit vous. Oh, nous avons déjà pas mal d'indices. Une empreinte sur le frigo. Ouh là là, le service à thé était de sortie. Oh, un coin de fenêtre. Ouais, je sais. Je sais. Je sais où. Allez sur la scène de crime, allez patrouiller. Alors, on va aller sur la scène de crime, évidemment. Pourquoi tu peux pas aller sur... Ah, il faut y aller. Pardon. On y va. Faut que Toyez se dépêche à se faire piquer sa collègue blonde. Oh, mais non, t'inquiète. Merci, Axaba. Remets, faut faire la bouffe maintenant, j'écoute de loin. Oh, Marie. La scène de crime, ah bon, elle chante, mais oui! Tu t'achètes une chanson et elle chante, elle a pas arrêté les karaokés. Oh! Sous lundi, oh oui. Oh, vous avez pas encore un peu froid chez vous? Oh, regardez. C'est beau, hein? On ira vivre à Soulani avec les prochaines. Nos Sobéris se terminera sous la nid, les enfants, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon, me voilà flic maintenant. Ah bah ça, ah bah tabarnak, j'aurais pas cru. Je suis flic. Ah merde! Oh merde! Bon bah il peut aussi se taper celle-là hein, si vous voulez. Bon elle est malheureusement là les yeux marrons. Et je crois qu'elle est déjà mariée, hein, mais attendez, on va aller voir ça. Oui, elle est bien mariée avec un certain Martial. Hein, ça. C'est dommage, elle est déjà prise. Mais quel dommage! Oh, on aurait bien pu le buter celle-ci, hein, mais bon. Bah monsieur. Lucas Leroy, bah ça doit être le frère de la petite jeune là qu'on a vue. Hein. Il s'appelle Leroy aussi, donc il s'appelle Leroy. Non, il s'appelle Tyrion lui. Et ça, c'est quoi ça? Laurent Garnier. C'est pas un. C'est Laurent Garnier, c'est pas un. Martial, qui s'y est-il ça? Qui c'est? C'est l'homme de la vie de madame. Madame, regardez-moi ça. Hein? On se demande pas pourquoi elle. Hein, regardez, les yeux qui pétillent là. Oh! Un beau mec!
Ne sois pas jolie Martial, je ne vois que toi, évidemment. Bon, par contre, tu fais un truc bizarre. Pourquoi tu vas dans l'eau? Pourquoi tu veux... Ah, je crois qu'elle veut se suicider. Ah non, pardon. C'est une policière absolument qui a très très envie de travailler. Est-ce que vous pouvez voir? Alors, prendre des photos de la scène de crime. Mais où est la scène de crime, en fait? Chercher des indices. Ah oui, on doit chercher des indices. Il y a eu un petit orage ici, hein, ça se voit. Il y a eu quelques petites contrariétés, quelques petites flammes. Oh! Il fait le radar! Incroyable! Toya fait le radar, regardez ça. Oh! Un gant! Tu fais le radar, mon coco? Prends une photo. Et un échantillon. Incroyable, je savais pas que c'était comme ça, mais les métiers de flic. Ouais, le Grand Garnier, on est d'accord, c'est un DJ. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Oh, je suis pas si à la ramasse que ça, hein. Attention, hein. Elle le poursuit. Ça va, on est mariés, puis elle a les yeux marrons. Oui, tout à fait. Ça passe. Une chaussure. Incroyable. Un gant et une chaussure. Bah, c'est bon, on va forcément trouver quelqu'un qui lui manque un gant et une chaussure. Prendre plus de photos de la scène de crime. Bah écoute, oui, viens. Ouais, je suis toujours en train de... Ouais, bah tranquille. Je crois que j'ai envie d'aller à la plage en ce moment, non? J'ai une envie... Alors par contre, je ne suis plus sirène. C'est une bonne nouvelle. Je sens moins le poisson. Enfin, excusez-moi, ça me fait rire, en fait. Je ne me croise jamais, sachant que je suis aussi dans le Lord and Lady, hein. Mais je me suis jamais croisée. Et là, deux fois de suite. C'est normal. Le beau maillot. Elle peut te tromper, non, juste pour challenge. Non, elle va rester fidèle. De base, elle est fidèle, elle va rester fidèle. Hein. Attention, hein. Cherchez pas. Hein. Commencez pas à chercher des noises. Hein. Je crois qu'on habite là, à Soulani, en vrai. Je crois que je nous ai installés là. Je sais plus. Oui, c'est ça, coupe les chats, c'est ça. On habite là. Tranquille en même temps, on va pas se refuser un petit peu. Pourquoi il retourne au commissariat accueillir la déclaration d'un témoin? Mais elle, c'est une officier, hein, Jean-Claude. Va enregistrer. Je sais pas pourquoi on peut encore prendre une photo, mais. C'est ça, fais semblant de bosser. Pourquoi je suis toujours en culotte? T'as oublié de m'habiller, Martial. J'ai une tendance à m'exhiber en culotte. En plus, elles sont même pas de ces couleurs-là, mes culottes. Non. Ah oui, il y a un étage. Ah, tout à fait. Merci bien. Mais j'ai pas recueilli la truc du témoin. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, tu t'en fous de Thierry, tu discutes pas avec. Du body painting. De base, t'as une queue. T'aimes bien ça, hein, coquin. Pardon. Oh, je me lâche. En ce moment, je suis en roue libre. Si je pouvais vous raconter, je vous raconterai. On la relouque vite fait après le live. Oh, c'est bon, t'inquiète. Bah, je trouve plus rien, hein. Pourquoi il peut plus prendre d'indices? Enfin, de machin, je sais pas. Ah, là, peut-être. Regardez-moi cet exhibe, hein. Franchement, quelle honte. Oh, ça me flingue. Ah, bah voilà. Non, mais c'est prélever un échantillon, ça. Moi, je veux des photos, en fait. Je vais aller sur la terrasse, après. Il y a un truc... Là. Mais c'est que des échantillons, c'est pas des photos. I don't understand what I'm doing. Ah. Bon, je n'arrive pas à faire une nouvelle photo, hein, mais on va prendre des échantillons, c'est pas grave. Alors, on va prendre lui, tiens. Il me paraît parfaitement conscient de la vie.
Et dans l'ordre des dits, tu es noble ou gosse? Je suis seigneur, mais sachez que je me suis mariée avec un bourgeois. Ah, elle a fait sa vie, hein. J'ai rien à gérer. Alors, j'ai eu 3 enfants, mais un, c'est pas avec le mari, donc je sais pas avec qui. Cherchez pas. Tout ça qu'il faut que je te menote. Lucas fournit de précieuses informations. Bah oui, bravo Lucas. Ouais, tu vas discuter. Est-ce qu'ils ont tous être à moitié nus? Pourquoi il y a que des mecs d'ailleurs? C'est louche cette histoire. On doit. Oh là là, j'ai fait de la merde aujourd'hui en plus. C'est bon ou pas? Obtenir, on va encore faire ça. Et puis après, on va. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est là! Oh là là. Je suis toujours en exil. On dirait qu'ils sont tous en train de prendre des photos de cette pauvre Sims. De quoi? C'est pas toi. Tu peux faire une photo des taches par terre. Bah non. Bah non. Non, non. Non, non. Non, non. Je ne peux point. Prendre plus de photos. Ouais, mais c'est ça en fait, je peux pas prendre de photos. À moins que j'ai. Qu'il y avait sur les murs, j'ai pas vu sur les murs. Non, j'ai pas vu. Je me suis trompée de tâche. De touche, de tâche. N'importe quoi, non, y a rien. Bah écoutez, on va retourner au commis, hein. On va retourner au comico. Cette scène de crime sera nettoyée. Oui, c'est bon. Ça prolonge le temps en cliquant sur le rond. Ouais, c'est pas grave. La maison est vide, c'est pas grave, t'as bien bossé. Sur les murs, bah, y'avait rien. Allez sur la scène de crime. Oh putain, mais mec, doucement. Analyser une preuve. Vas-y, j'en ai 7. Bon, j'avoue que on va rester tard parce que comme ça, on avance un peu. Shboulou. Qu'il est beau, hein. Il est concentré. Est-ce qu'il est plus con que centré? On ne sait pas. Mais il est concentré. Là, il est centré, d'accord. Tant mieux. S'il est juste centré, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a de bon comme bétail, là, dans le coin? Ça, non. Ça, non. Lui, il est Thierry, d'accord, non. Ah bah dis donc, ça change de tout au tout ici les collègues. Analyse réussie. Alors, comparer les informations de la base de données de la police. C'est bien, il y a des ordinateurs de... Ah oui, c'est vrai, j'oublie un... qu'il y a un étage, moi, ici. Photo de la scène de crime, vas-y. J'oublie qu'il y a un étage. Ah bah! Mais c'est pas possible! Mais c'est la journée! Toujours en culotte, hein. Addiction culotte, hein. Souvenez-vous, la fois où on avait parlé de faire des culottes en merchandising, des culottes petit cul, gros cul, mi-moyen cul et tout ça. Le fantasme de l'uniforme. Ah non, rien à voir. Franchement, rien à voir, c'est juste qu'il est beau. T'es adulte, oh merde. Oh merde! Non, c'est bon. Ouais, elle est trop vieille pour toi, mon biquet. Elle est trop vieille pour toi, je suis désolée, mon chou. Ça sert à rien. Bah, la brune, elle est vieille. Elle est adulte. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle est déjà utilisée, on n'en veut pas. Elle tenaque dans du sport, je son croix. Ouais,
tout ce que j'aime, quoi, le sport et les flics. Ah, encore comparer, parce que de toute façon, il faut comparer ce qui est comparable, en même temps, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. C'est ça. Mais arrête de parler, vas-y, travaille. Travaille, Toya. Travaille. D'accord, t'es pas prêt de monter de niveau, hein, mon petit. Interroger un suspect, on n'a pas encore eu l'occasion. Ajouter des indices. J'ai fait déduire, oh, c'est pas grave. Alors, on sait pas quel a été le crime, à part quelqu'un qui a oublié un gant, des chaussures et des boîtes d'allumettes. Là, je ne se vois pas au lit. Oh la coquine! Ça dépend, hein, la peau fripée, qui pend, tout ça, c'est quand même pas terrible. Hein. Oh, je plaisante, oh, les enfants. Et quand il faut avoir une petite pilule bleue pour lever le mât, c'est pas terrible non plus. Hein. Vous avez vu, hein, je fais des efforts pour que ce soit un peu moins vulgaire ce que je raconte, non? Ajouter des indices. Bah dis-moi, Anne, ce qui n'est pas pénible avec les hommes. Hein? Je rigole! Le service à thé, le cochon, le chien! Qu'est-ce que c'est que ça? On a des indices chelous quand même. Hein. Encore des indices? Bah, ajoute des indices alors. Avis de recherche disponible. Toya, suffisamment d'indices pour lancer un avis de recherche au tableau d'investigation du crime. Trouvez davantage d'indices avant de lancer. Petit cul. Les bavards, les silencieux YouTube et ceux qui regardent la rediff. Des bises. Coucou Ricardo, comment vas-tu? Je suis là, je suis pas pénible, c'est pour ça que je dis je rigole. Ah, un peu d'humour, messieurs les poilus, messieurs les couillus, comme même. Et détendez-vous. Je suis désolée. Alors, trouver davantage d'indices avant de lancer un avis de recherche augmentera vos chances de trouver un sous-prout. Eh ben c'est bien ça, t'as bien gagné ta journée mon petit Toto, mon petit Yaya, mon petit Toyo. Alors, t'as fait quoi de ta journée la vieille? Bah pas grand chose apparemment, elle s'est même pas lavée. Ah bah c'est les vieux, hein, sortir d'un certain âge. Tu sais, les articulations ça fait mal, alors tu sais, monter là dans une douche, faire comme ça sous les bras, c'est difficile. Hein. C'est pour ça qu'ils sentent les vieux. Vous demandez à Marie, hein. Elle vous dira que oui, hein. Elle vous dira que c'est vrai. Hein. Bon, si est-ce quand qu'il pêche le petit là? Ah, ben on a rencontré une demoiselle qui recherche un mec mortel. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Il pêche. Quand il sera en week-end, lundi ou mardi, on va essayer de faire ça rapide. Parce que. Ce petit Jean-Claudius là. Qu'est-ce que c'est ça, Juliette? Bon, Cyrine, elle est vieille maintenant. Il y a Jenny, hein? Jenny on the block, qui est plutôt pas mal. Et on a Ray. Oh putain. Ça me flingue. Elle est où la petite? Il y avait. Ah! Il y a deux Cyrines. Mais c'est bizarre cette histoire. Qu'on avait rencontré la dernière fois. Je bug. Alors, j'ai la créatrice de la petite Madeleine que Toya a retournée la dernière fois. Bah, d'ailleurs, on va la faire venir. Disant, mais oui, mais elle est jolie, machin et tout. Je sais, oui, mais le souci, c'est que... Ça me dérangerait pas de la garder en tant que future femme, mais on peut pas, parce qu'il y a des directives pour cette génération, vu qu'on doit la rencontrer. Ça doit être une collègue, donc elle doit travailler au commissariat. Malheureusement... Il peut s'amuser avec elle, mais ça n'ira pas plus loin. Si elle n'est pas collègue, ça ne peut pas aller plus loin, quoi. Donc c'est ça la tristitude. Tiens, on va t'inviter à rester dormir, t'auras au moins ça. Ma petite, t'auras au moins cet honneur d'avoir goûté au Totoya, à la pêche, à la douceur de la pêche de Toya. Et puis, c'est déjà pas mal, hein.
Alors, pas la petite amie, non. On va rester dans l'optique de faire juste du sesc, un peu, comme ça, et puis c'est bien. Qu'est-ce qui râle? C'est Guillaume qui râle. Il y a aussi des femmes infernales, mais tout à fait. Il y en a beaucoup, même. Limite plus, j'ai envie de dire. Tu peux pas tricher en la mettant en tant que flic? Si, je pourrais. Je peux tricher pour beaucoup de choses, à un moment donné. Mais bon, là, il y a la petite Jenny... Hein? Je vais vous proposer le choix, hein, mais à mon avis, elle est plutôt pas mal, la petite. Hé hey. Miss, t'es pas venue pour rien. On va quand même demander si au cas où elle s'est remis avec quelqu'un, sinon on la culbute. Hein. Hein, moi non, non, t'as raison. Salut Paulinette, comment vas-tu? Mais oui, Banner, elle est là. Ça fait plaisir de la revoir là, la petite Banner. Vas-y, roule-lui encore un palo là, hein, et puis hop, après vous irez jouer la bête à deux dos. Pas de bébé, non, quand même. On va pas commencer à répandre notre semence. En vrai, elle est mignonne, mais Toya peut mieux faire, je trouve. Bah, vraiment, la petite Jenny... Mais vous allez pas baiser dans le lit de la mère des parents, quand même. Ayez un peu de dignité, bon sang. Oh non, 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 vous allez faire ça là-haut. Eh, vous êtes... Non, non, mais reste au lit, toi. Reste au lit, c'est bon, tu vas pas te... Ah. What's the slang? J'ai honte, qu'est-ce qu'ils nous font quand même? Bah non, c'est le dit de vos parents. Toya, ça se fait pas. Hein. Oh, il en peut plus, hein. Regardez, tout est moustillé. Hein. Allez. Ça aurait pas été que l'aventure d'un soir, ça aurait été l'aventure de deux. Après, il écrit se marier avec une collègue, personne n'a dit que ça devait être la mère. Oui, mais bon, hein, quand même, comment dire, c'est mieux de tout faire en même temps. Ça va bien, Paulinette? En plus, elle mord, je crois. Vu la réaction qu'il a, elle doit mordre un peu. Oh bah dis donc, c'est que ça fait du bien par où ça passe, hein. Eh, tu peux dormir, hein, Jacqueline. Qu'est-ce qu'ils font? Bon bah elle, je sais pas où elle va aller. Tu sais qu'on a que deux lits dans la baraque. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi tu veux sniffer encore? Elle aime bien l'odeur des vieux, je crois. Et de la mort. Elle est bizarre, peut-être, cette fille. Un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle prend là? Ah ouais, ah ouais. Non, mais comme quoi, Toya l'invite à rester à la maison. Elle préfère dormir dans le canapé. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais elle est folle! Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Et hop, un petit somme encore sur le canapé. C'est tout à fait logique. Hein? On est sur de la logique des Sims. La ménopause. Quoi, la ménopause? Dégage en plus. J'attends de voir les collègues qu'il a rencontrés. Ouais, 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 on va avoir d'autres journées, hein, pour savoir qui on décide. Ah putain, et hop, elle recommence à faire ses petits tours. Peut-être qu'elle a des tocs, hein. On sait pas, hein. Elle fait son sport, c'est comme ça qu'elle reste mince. Elle monte et elle descend les escaliers. Je voudrais que j'essaye, tiens. Je vais monter les escaliers, je vais aller sniffer là où je peux sniffer. Ça me fait triper. Elle est complètement starbée, cette Sims. Elle est complètement pétée du cul. Tout est normal, hein. Écoutez, voilà.
Va t'asperger d'eau de mer, tiens. Et va te soulager par-dessus bord aussi après. Voilà. Ma pauvre fille, hein. Je pense qu'elle est... Ah bah d'accord. Je crois qu'en fait, elle est pas très... Hein. Bon, elle est blonde en même temps. Fétichiste de l'odeur des vieux. Mais elle a un bruit, un lit. Elle a un lit, elle pouvait dormir avec Toya. Elle a pas voulu, qu'est-ce que je fasse, moi. Je t'ai pas demandé de prendre des restes, toi, en fait. Non. Si. Un petit... Bah, bouffe-toi un ton... Non, tu t'as fait ton sandwich, tu le bouffes. Tu tournes la gueule ou quoi? Et ta mère, là? Bah, elle fait le ménage un peu, non? Mais lui aussi, il aime bien l'odeur des vieux. Pourquoi merci? Merci au coin, c'est le premier. Ah, coucou Aniri, comment vas-tu? Super, la première nana qui nous ramène, elle a pas la lumière à tous les étages. Elle a pas toutes les frites dans le cornet, hein. Peut-être qu'elle a le gaz à tous les étages, mais ça, on sait pas. On n'ira pas lui demander, ça se fait pas. Bah, tu crois que sa mère va mieux? Bon, on dirait qu'elle est en pleine déprime, hein, la duchesse, parce que son mari étant mort. Elle est pas très nette non plus. Ah, t'es blonde! Mais non, mais c'est une blague, Marie aussi, elle est blonde, hein, c'est pas pour autant que, voilà. Ou quoi que Marie... Mais je plaisante, hein, c'est... Oh, c'est des clichés, on est là sur... On est taquin ce soir, on l'est pas, hein. Voilà, il faut accepter la taquinitude, hein. C'est... Vous pouvez y aller, hein. Moi, je fais bien mon sport en culotte, dans la rue. N'est-ce pas? Elle est pas là, là... Ah. Eh non, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au menu ce soir, aujourd'hui, là? On te connaît pas, toi? Mais voir un peu. Oh 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 oh, oh bah oui. Oh bah oui, bah alors. Ah bah dis. Oh bah dis donc alors. Mais salut. Ah. Oh vas-y, j'ai bien fait de faire démissionner quelques-uns, moi. Hein. La taquinitude. Ah, une belle donzelle. Alors. Non, ça, elle a un nez qui me plaît pas, je suis désolée. Toi, on t'a déjà vu. Mais en fait, tous les jours, ils changent de personnel ou comment ça se passe? Tous les jours, on change de personnel. Et coucou, Trimar, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton follow. Alors, tu vas parcourir la base de données de la police. Là. Comparer les informations. Comparons les informations. Et ajouter des indices, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on va boucler l'affaire. Parfait, vendu. Ah bah! On va les mettre les unes à côté des autres et puis vous choisirez. À voir sans maquillage. J'avoue, Eruline, j'avoue. Des fois, regardez-moi. Je peux dire que... Oh, puis là, je suis vachement blanche, quand même. Mais moi, qu'il fasse beau, que je puisse aller bronzer de nu dans la rue, comme je dis tout à l'heure. Je fais un petit rhume dans les vapes à cause des médocs. Ah, tu prends des médocs quand t'as un rhume? C'est beaucoup, c'est fort quand même. Enfin, moi, quand j'ai un rhume, ben, j'attends que ça passe. J'aime pas les grains de beauté, mais très jolie. Mais Marie. Oh, Marie, si tu savais... Oh, putain, les ordis sont... Non, les ordis, il a trouvé un indice. Vite, je recherche dispo. Les ordis sont tous pris. Discuter des théories de l'affaire. Ah oh bah, salut Manon. Quel est ton avis sur l'affaire? Il va raconter une histoire populaire. Elle travaille pas, elle traîne sur internet. Moi je le vois. Ah, ce courtisan carrément. Donc t'aimes pas ma Sims? Je note, Marie, je note. Ajouter des indices. On aura bientôt plus de place à force d'avoir des indices. Hein. Indice de couvert. Ah, le suspect est blond. Attention, tous les blonds du chat, là. Planquez-vous.
Ah, c'est, je suis sûre que c'est l'un d'entre vous. J'en suis sûre. Pour la sinusite chronique. Ah oui, donc c'est pas juste un rhume, quoi. C'est peut-être un peu plus fort. Parce que moi, un rhume, c'est... t'as un nez bouché et puis voilà, quoi. Tu veux qu'on te parle de l'affaire dans les douches, Manon? Oh là là, mais il y a des douches ici? Ah oui. Oh oh, oh, oh. Tabarnak, il y a des douches ici. Hostie Simpson. Analyser une preuve. On va analyser une preuve. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un ordi là. Oh bah dick. Bah l'heure. Mais je t'avais pas fait démissionner, toi? Jules Leroy, mais ils s'appellent tous Leroy dans cette partie, ou comment? Ah, yeux marrons. Dommage. Elle est mignonne. Léa Tyrion. Pourquoi elle s'appelle Tyrion? Elle est mignonne, c'est dommage, c'est des yeux marrons. Ah, c'est éliminatoire direct, hein. Faut pas chercher. D'accord. Je ferai pas de commentaires. J'ai plus la force là. Non. J'étais devant ton live, bon alibi. Ah, Martial a demandé la pub. Je suis donc désolée, mais je vais donc passer la pub de 60 secondes. Je remercie évidemment tous ceux qui auront la pub. N'hésitez pas à mettre un mot dans le chat comme quoi vous avez la pub, puisque vous allez contribuer à mon incroyable richesse qui me permettra d'acheter un château ou un manoir avec vue sur la mer. Comme d'habitude. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ciao. Et voilà, c'est parti. Attendez, je ne vous vois plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Analyser. Encore analyser une preuve. Analysons. Analysons tout ce que nous vous pouvions. D'accord. La téléportation, c'est son truc aussi. Je suis blonde, arrête-moi, Toya, me note-moi. Vous êtes des dingos, vous. Ah, carrément. On va retrouver Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow. C'est mon mari, hein. C'était mon mari à une époque. C'était mon mari. C'était avant de rencontrer Martial. Voilà, tout est dit. Comparer les informations. Bah ouais, mais tous les ordis sont squattés là. C'est tous des incapables, ils sont tous sur internet. Ajouter des indices. Bah ouais, ajouter des indices parce qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour ça. Faire un rapport de police avec un civil, il n'y a pas de civil, ok. Alors, le suspect a du sang chaud. C'est mieux, hein, sinon ça s'appelle un serpent. Ou un crocodile. Lancer un avis de recherche. Ah, ça y est, lancer un avis de recherche. Attention au blond sang chaud dans le chat. Ouais, si je clique sur l'ordi... En vrai, je suis pas sûre de ça. J'avais déjà essayé, ça marchait pas. Ah bah, pff, on n'a pas le temps de voir. On est parti. Il est plus Jack que Sparrow. Bah, en plus, ouais, ils l'ont jarté du film et tout, à cause des histoires qu'il y a eu autour de lui, quoi. Avis de recherche. Un suspect correspondant à la description de l'avis de recherche a été vu dans cette zone. Interrogez les gens aux alentours pour voir si quelqu'un peut vous mener vers le susprout. Utilisez le carnet pour consulter à nouveau la description du sujet avant de procéder à une arrestation. Si vous arrêtez la mauvaise personne, cela ne sera pas bon pour votre dossier. Nous allons donc voir à qui nous avons affaire. Non, putain, je me trompe à chaque fois, le carnet c'est là. Avant c'était là-haut. Carrière détective. Sans chaud, cheveux blonds, jeune adulte, femme, jupe. Mesdames. Pour une fois, les messieurs sont écartés de l'affaire, mesdames. Rangez vos jupes. J'arrive avec les menottes. Non, elle n'est pas blonde. Oh putain. Oh, bon sang. Oh la vache. Oh la vache.
Moi, je dis, elle a pas une tête de très nette, celle-ci. Après, elle est blonde, elle a pas de jupe, mais c'est parce que... Hein ? On va aller lui parler mine d'eux, on va faire connaissance un peu, et puis... on verra bien ce qui va se passer. Bizarrement, c'est la seule blonde du coin. Ah, mais on est à Monkomoremi ? Non. Si. J'ai même pas capté. Tu lui parles... Faire connaissance. Ouais, c'est ça. Eh, dis-moi que t'as le son chaud. Et elle qui danse là. Elle aussi, elle est shootée. Genre, elle s'est pas changée depuis le jour du crime. Ah bah oui, bah, c'est comme ça. C'est les Sims, hein. Ah, par là ? Ouais, toi, fais voir comment tu t'appelles. On te connaît bien déjà, hein, c'est incroyable, non ? Parce que bon... On va voir. Ouais, on va complimenter la tenue, hein. Qu'est-ce que t'es, que tu as une belle jupe, madame. Vous faites quoi comme métier, déjà? Les Zerg. On n'a pas encore d'infos, hein. Ah, c'est carrément une amie. Quoi? Comment ça? Mais tu vas pas la draguer, wesh. Faut qu'il faut simplement demander, avoir la bonne cuisine, c'est pas compliqué. Ouais, carrément. Elle est infirmière diplômée à cet endroit, cabinet médical, ça fait mal. Merci les Sims pour ce jeu de mots complètement dingue. La connasse! Nous avons... Oh, c'est une médecin en plus, bah bravo! Allez, bon, on va l'arrêter. Direct. Oh! La pute! Oh, la pute! Attendez, j'ai envie de le prendre avec ses menottes. Ça en fera fantasmer plus d'une, hein. Nickel! Pour la miniature! Voilà. Elle a des chaussettes dans ses sandales aussi, y est-il, moi? Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention. Médecin psychopathe. Salut Rocky, je suis désolée pour toi. Salut Desiou, comment vas-tu? Il y a les menottes. J'ai envie de le prendre avec ses menottes. Pour la miniature, voyons. Il n'y a pas de fourrure, non, pas celle-là, je pense. Mais elle est où, notre suspourroute? Elle est là. Parler au chef, discuter des théories, interroger le suspourroute. Le suspourroute, allez, je sais que vous... Il est là, le chef. Parler au chef. On va encore se faire engueuler et parler comme du poisson pourri, mais bon... Il vient, le chef? Il vient jusqu'à toi? Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à manger? Elle est encore là, elle. Hein. Elle est vraiment mignonne. Elle est vraiment mignonne, celle-ci. Ouais. Ouais. Bon. Il n'y a pas trop de nouveautés. Mais regardez ce... Non, non, mais, non, mais franchement... C'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Non. Non.
Non. Pas possible. Si une seule autre plainte pour violence policière est déposée contre vous, vous devrez me rendre votre badge. Reprenez-vous, Rainbow. Quelle violence policière. Faut vous calmer, les Sims, hein. Moi, j'ai rien fait, hein. I didn't do a thing. A single thing. Nothing. Salut, Sky Network, comment vas-tu? Mais c'est un gag, c'était... C'est une piste d'atterrissage. Cyrano de Bergerac. Mais oui! C'est pas possible! Moi, je... Non. Alors, on va essayer de l'interroger, du coup. Ah! Alors, prendre des photos dans une station d'enregistrement. On va faire avec elle. Oui, c'est bien, le Festival de la Neige. On est très content de l'apprendre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? T'as tué tes patients. Bah oui, mais bon... Quand ils disaient qu'ils étaient au bout du rouleau, c'était pas pour que tu leur fasses avaler n'importe quoi. Hein. Pour faire pique à l'apéro, elle est toujours prête. Ting. Ting. Bon, tu te pointes, Toya, là. Allez, viens là, coquine. On va faire des photos. C'est pour ton OnlyFans. Magnifique. Ah, ça marche pas avec elle. C'est pas grave, on s'en fout, on va fouiller là, la suspecte. Fouillait-on la suspecte? Ah si, c'est bon. Oh, moi je fais tout, moi. Ah, vas-y. Moi je suis une vraie flic ou pas, là? Je suis pas en question. Alors, qu'est-ce qu'elle a de suspect sur elle? Rien du tout? Ouais, ouais. Fouille bien, Toya. Je suis sûre qu'elle nous cache des trucs chelous. Oh, bah, je suis déçue. Interrogez le suspouille. Allons donc l'interroger. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu crois que t'allais sortir comme ça? Elle a de l'espoir, elle. Avec la lampe dans la gueule, tu sais. Alors, Mariko semble timide. Alors, gentil policier, méchant policier. On va commencer par gentil. Parler de tout et de rien. On va commencer avec des donuts. On va faire comme... Hein? Raconter une histoire personnelle. Ensuite, on va commencer à demander poliment des informations. Bon. On va rester tard. Hein. Ça, c'est clair. Net. Tranquille. Elle a voulu s'enfuir. La fille peut tomber amoureuse d'une prisonnière. Bah, je pense, oui. Ouais, ça monte tout seul, hein. Preuve. Montrer des photos. Preuve. Montrer la déclaration de témoin. Preuve. Montrer les empreintes. T'es cuite. J'adore la réaction de la Sims. Je trouve que c'est super bien foutu. Ils ont bien, vraiment bien bossé sur l'animation, je trouve. Ouais, j'expose les faits, quoi. Méchant. Fixé froidement. Ah tiens, il est venu. La personne suspectée semble coupable. Il est temps de la mettre derrière les barreaux. Ta 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 ta. Regardez un peu la tronche qu'elle a. Ils ont fait vraiment... C'est trop bien fait.
En vrai, c'est trop bien fait. Ah, c'est ça. Pardon, ça m'éclate. Il va la mater. Pardon. Hein? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre en... Oh la gueule. Oh la... la tronche. Bravo Toya. Oh qu'il est beau Toto. Il est beau Toto. Bon bah elle j'adore. C'est complètement con mais qu'est-ce que ça me fait rire. Obtenir des aveux. C'est ça qu'il faut faire du coup. Et elle avoue. On l'a eu. On l'a eu. Salut Amito, comment vas-tu? Non mais Toya, si tu la regardes comme ça, elle va juste se déshabiller. Oh, je pense pas, non. Quand même, on va déconner. Tiens. Ah oui, c'est vrai que c'est une super personne qu'on va enfermer. Affaire classée, joli travail, cela fait un criminel de moi dans les rues. Malheureusement, le crime ne dort jamais et nous avons une autre affaire pour vous. Obtenez l'affaire à partir d'un ordinateur et repartez sur le terrain. Mais oui, nous avons réussi. Nous avons réussi. Ta-la-ta-ta. Et merci Sasuke pour ton follow et bienvenue à toi. On va parler au chef, tout simplement, hein, parce que c'est demandé. Et discuter des théories de l'affaire. Mec, j'espère que tu vas être un peu plus sympa vu qu'on vient d'arrêter notre premier coupable. Bah non, la dernière fois on a arrêté quelqu'un d'autre mais on l'a pas interrogé. Il avait disparu. Maintenant on pêche au Manon. Bah non, elle a des grains de beauté, Marie. Ah, je vous jure. Pas le bon tempo, Rainbow, résolvez vos affaires plus rapidement. Ça va, on a mis 2 jours. Mec, dans la vraie vie, il y en a, ils résolvent jamais les affaires. Hein. Ah là là. Toi, casse-toi. T'es moche, en plus. Va parcourir la base de données. Sinon, Manon, tu veux bien nous... Je sais pas, comment dire... boire un verre avec nous après, comme ça. Oh, quelle jolie tenue. T'as un joli képi qui te met bien en valeur. Il faut pécho Manon, il y a le temps. Mais vous allez décider qui, hein. Ce sera peut-être pas elle, hein. Ce sera peut-être Jenny. Jenny on the block. Ah oui, il est jamais content, le chef, j'avoue. Ah, oui, non, c'est là, c'est ici. Se faire assigner une affaire. Bon, on aura tout fait aujourd'hui, hein, comme ça. Il n'y a personne là-haut. Y a pas de Shirley qui fait du sport en culotte. Tout va bien. Ah, Albertine. Bon alors Albertine, qu'est-ce qui se passe? T'as fumé de l'herbe? T'as l'air un petit peu stone, hein, un petit peu chelou. Hein. Bah ouais, mais on va déjà faire tout ça. Oh bah écoutez, hein, on va continuer à bosser un petit peu. Il nous reste jusqu'à 20h, il n'aura pas le temps de faire tout. Ah 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 ah. Jenny bien ici. Ah mais c'est moi ça non? Ah, c'est moi, c'est ma Sims. 544, on n'a même pas été promu. Ça pue du chu. On peut pas le virer ce chef si on peut. Ah, j'adore. Merci Paulinette pour ton sondage. Oui, tu vas le dire à Martial. Alors, tu lui donnes bien les réponses. Hein. Au cas où. Ah, et ben nous voilà rentrés à la maisonnée, hein, tranquillement. On va se soulager par-dessus bord. Maman, elle a... Si, elle a fait le ménage quand même. Alors, tu vas préparer un bon ragoût. Un bon ragoût. Tu vas préparer une salade. Voilà, familial. Alors que bon, ce sera à ta mère de le faire, mais bon, je commence pas. Et comment ils vont là-haut, là, les
Ah, attention niveau fait, viens jouer avec Roger et viens jouer avec... Parce que bon, forcément, on n'est plus à la maison. Hein. Vu qu'on est dans une carrière active. Roger et Merguez sont un peu mis de côté, mais on les oublie pas. Des fois, j'ai l'impression qu'ils montent plus vite en grade quand on les accompagne pas au travail ou c'est faux. Non, non, mais après, c'est largement faisable. Mais en fait, il fallait que j'interroge un suspect. Normalement, on regarde la prochaine journée, on devrait monter de grade. Il faut faire ça, tâche de promotion. C'est ça, hein, virer le chef, ils sont tous un peu tarés. Ouais, non, ça m'étonne pas. Ça va, mamie? Tu viendras bouffer? Tu viendras parler avec ton fils? Arrête! Elle va pas repasser l'aspirateur, wesh! Pas possible, ça. Ah, mais oui, c'est beaucoup plus drôle d'accompagner. Franchement, il y en a qui se plaignent de pas avoir assez de gameplay. Si finalement t'achètes au travail, mais que tu joues pas les carrières en y allant avec, quel est l'intérêt? Moi, je trouve ça rigolo en plus. Vous voyez bien la gueule qu'il fait quand il menace de fixer le Sims, je trouve ça marrant. Moi, ça me fait marrer. C'est pas grand chose, hein, on est d'accord, hein, c'est pas non plus. Mais c'est rigolo. Ah, quand est-ce que tu crèves, Jacqueline? Merde. J'ai embarqué le tapis. Mais, j'ai encore embarqué le tapis. Vas-y, raconte une blague. Ah. Alors, tu vas envoyer un petit message à Manon, un petit SMS. Dahlia, non. Madeleine, Jenny on the block. Il y a une autre Manon ici. Ah ouais, mais bon, si elles sont pas flics, ça sert à rien. Et merci beaucoup, chat, pour ton follow. Bienvenue à toi. Je me rappelle plus le nom de l'autre où Toya a trempé son biscuit. Madeleine. C'est Manon ou l'autre, c'est... mais sinon, je l'aurais fait, hein. T'étais pas obligé de l'acheter, hein. Manon ou Jenny. Elles sont toutes les deux détectives. Mais après, on va les voir, hein. On va les inviter. On va les... Ah, il est samedi soir. On sort en boîte ou pas? Toya est un jeune homme... Plein de ressources, faut bien qu'il quand même profite de sa jeunesse. Rêver d'océan, contempler les vagues. Vous avez pas un truc plus... Mini baignade. Je sais pas ce que si ça vaut tonifiant, mais... On verra bien quand il en sortira. À toi, ya. Alors Manon ou Jenny, vous avez un sondage. Cherche encore. Même joueur, joue encore. Ah non, tu vas. Alors, il est 22h, on va aller en boîte. Allez. Un petit peu. Juste pour qu'il se détende le fion, comme ça. On va aller à Winnenburg parce que j'aime bien Bran Narval. Pour moi, c'est la seule qui vaut le coup. Oh bah attendez! On va aller avec Mariko. On va aller avec les deux filles. Manon. Jenny. Ah oui, mais journée du pirate, c'est pour ça qu'ils étaient habillés en pirate. Ah. On les invite. Bah, je crois que le vote est long, hein, donc oui, vous pouvez y aller. Ah, alors, comment ça va, les filles? Comment t'es la fière allure? Et chanter la chanson du jour férié. Nous avons donc Jenny on the block. Et nous avons donc Manon, c'est tout rond. Je sais. Retinue Squire Marfa. Attendez, on va aller après. Squibs. Parce que là, elle est partie directement là-bas. Après, moi, je peux les faire discuter. Comment dire? Et ils vont aller s'installer, voilà, ils vont discuter à trois, à une table, et puis ce sera beaucoup plus facile. Je pourrais vous les montrer. Qu'est-ce que... Voilà, c'est ça. Il y a des tables là-haut, il me semble. Ah bah, ils vont aller discuter là-bas. S'asseoir ensemble, super. Super. Maisie Grove,
Pourquoi il y a des cœurs? Ok. Peace to my... Allez, on va s'asseoir ensemble là. Qu'est-ce que c'est que... Madame a une grosse bouche. Bon, elles seront plus pas l'une à côté de l'autre, hein. Oh oh. Manon. Pourquoi elle fait toujours la gueule? Voilà, des beaux yeux bleu vert. Des taches de rousseur. Les grains de beauté que Marie n'aime pas. Voilà. Et Jenny. Taches de rousseur également. Ah ouais, quand même. Vous avez une grosse préférence pour Jenny. Des petits yeux bleus. Ouais, 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 tu peux parler aussi un peu, non? Technique de drague, non? Une blague. Et vous allez danser ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais! Ouais! Le profil. Ah bah, c'est pas un péninsule. Ah, peut-être un petit souci de menton ici. Peut-être. Si elle arrêtait de sourire... Arrête de sourire, fais la gueule un peu. Ouais, bon, elle veut pas. Et elle? On pourra recommencer. Oui. Il sera offert. De ma poche. Et elle? Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir? Il y a des looks un peu particuliers. Tiens, il parle avec Jenny. Jenny on the block. Je vous ai demandé de danser en fait, mais c'est pas grave. Je crois qu'il a pas envie de danser, Touya. Manon est plus belle quand même. Je préfère Jenny donc Osef si on recommence pas. Ah là 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 là, Marie. Alors, sinon, niveau de l'âge. Ah, elle est 10 sur 24, Manon, déjà. Mince. Et elle est 7 sur 24. Bon, à 3 jours près, c'est une grossesse. Donc, ça va. C'est juste, voilà, ils se voient en dehors du taf, c'est sympa, fait connaissance. Muchi Pichi. Elle veut jamais se mettre l'une à côté de l'autre, je crois. Non, tu dragues pas. J'ai pas envie de faire de... Regardez comment elle le mate. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, là? Qu'est-ce qu'il... Ah bon? Comme ça, il veut me faire des gosses? Ils seront verts, en plus, tous ces gosses? Ah, prendre une photo. Tout à fait. Quelle belle idée, Anne. Mais quelle belle idée. Ah, des choubis. Il y avait Cyrine aussi, hein. Attendez, on va voir avec Cyrine. J'avais pas vu qu'elle était là. Qui était la première. Ah non, c'est pas celle-là, du coup. Bah, elle est où? C'est celle-là? Non. Je sais pas. Je l'ai pas vue, moi. Allez, arrête de danser. Non, c'est bon. Non, moi je donne jamais mon avis, sinon mon pré-martial il râle. Parce qu'il dit que j'influence les votes. Je dis rien. Bah, si elles sont dans les votes, c'est qu'elles m'intéressent. C'est que pour moi elles sont bien. Parce qu'elle a un pif qui remonte. Ah, j'avoue. En fait, c'est la Sims de Marie. Elle a un petit menton quand même qui dépasse. Hein. Il va falloir opérer du menton. Hein. Bistouri va passer par là quand même un peu. Hein.
En vrai, il peut pas faire, il veut pas faire de photo. Il est parti voir Manon, mais Cyrine, pardon. Donc Cyrine, elle est là. Voilà, Cyrine Hanouna. C'est Cyrine, la, celle qu'on avait vue la semaine dernière. Ah non, c'est bon, on peut en faire qu'une, hein, Jean-Claude. T'as hâte de danser, s'il te plaît? Bon, il commence à être claqué. Hein. Oh, ça va, 1h30 du mat. Ah, là, quand même, c'est un petit peu plus éloigné. Tu te dis bon. Je peux pas aller plus près, hein. Je peux pas zoomer. Le menton ne me choque pas. Elle ressemble un peu à sa mère quand même, laquelle? C'est... Après, c'est vous qui voyez, hein. Parler de la brune? Bah, elle a la peau moins claire. Oh là, c'est quoi ça? La vache. Ouh là là. Ah ben voilà, on aura la photo des trois. Et là, c'est entre les deux. À laquelle? Laquelle? Tu l'as... Laquelle, prénom de laquelle? De toute façon, on s'enlève des cheveux. Non, mais oui, bien sûr, les cheveux, on s'en fout. Mais c'est pour le visage. Bon, il me choque le menton. Bah, de toute façon, on passera par le bistouri. Sachez-le. Salut, Axel Cook. Alors, il y a Cassos qui passe dans le couloir, hein, évidemment. Voilà, comme ça, on voit les trois demoiselles. La brune, elle s'appelle Manon. Voilà, elles sont l'une à côté de l'autre, là, les deux greluches, là. Allez, moi, je me mets entre les deux. Dernier coup d'œil, hein, parce qu'après, voici Manon. Voilà, hein, avec les grains de beauté que Marie n'aime pas. Et voici Jenny. C'est vrai qu'elle a le nez qui remonte maintenant que tu m'as dit ça, Martial, je vois plus que ça. Hein. Donc... S'il vous plaît, encore un petit sondage. Celui-là sera définitif. Manon ou Jenny. Et à partir de là, eh ben... Allez à Jacta Est, hein. Ce L, du coup... Elle est mignonne, mais il y a un truc qui me dérange un peu. Elle est où? Il est là. J'ai oublié. Ça m'a fait peur quand il a fait péter les trucs. La flamme de Totoya. C'est plutôt... c'est quoi? C'est la marque de voiture? C'est Toyota. C'est Toyota. Donc ça y est, le sondage est lancé. Manon la brune. Pas la, trop l'air d'avoir la joie de vivre, hein, je veux pas... Et Jenny qui est partie, je crois. Ah non, Jenny est en train de roupiller. Jenny roupille. Jenny est un peu plus jeune. Tiens-moi la route, quoi. Pour lui, là. Ah bah c'est vous qui voyez, hein. Manon a envie de pisser, voilà, vous saurez tout. Tout sur Manon. Qu'est-ce que j'ai... Plantureuse, hein, mademoiselle. Des gros boobs, hein. Et Jenny qui dort, hein. Voilà, comme ça, vous pouvez voter dans le chat. Si vous ne voyez pas le sondage, rafraîchissez.
Manon change Jenny, c'est Peggy la cochonne. Oh là là, que vilain. Quel taquin. Et si c'est Jenny qui gagne, tu fais quoi? Manon, elle tire la gueule. Il est en train de taper sa sieste. Ah la vache. Bah de toute façon, on va rentrer parce que vous avez vu les filles et je pense qu'il y en a une qui est partie. Donc on va rentrer à la maison Oasis Springs. Hop. Alors bah non, on va pas revenir avec les meufs. C'est bon, il y a personne veut que sélectionner. Jessica, t'as un peu... Ouais, Jessica Rabbit, ouais, la rousse, ouais, carrément. Il rentre avec les deux. Il goûte un petit peu aux deux, et puis il choisira laquelle il préfère au niveau du goût. Hein? On parlera pas, bien sûr, du goût... Ah, Roger, il a fait péter quelque chose dans sa cage. Ouf. Je l'ai vu tournoyer, regardez. Il se dit... Hop, purée de potagne de chambeau de terre. Eh ben j'ai chaud au cul, moi. Oh la vache, eh. Oh, j'ai largué une grosse caisse, eh. Je me crame les poils du cul, eh. Ah bah cette fois-ci, c'est Manon qui gagne. Vous ne savez pas ce que vous voulez, les enfants. Ah bravo, genre satisfait remboursé. Bah, j'ai dit qu'elle sentait la joie de vivre parce qu'elle souriait pas à ce moment-là, quoi. Elle dansait, mais c'était genre, ouais. Comme ça, quoi. Elle dit aussi qu'elle allait être Peggy le cochon. C'est ça. Oh, ça va aller. Donc, vous êtes sûrs? On reste sur Manon, les enfants, ou pas? Allez, à Jacques Taest, hein. D'ailleurs... Je pensais que... Maintenant qu'on a rencontré toutes ces demoiselles, on va pas perdre la partie comme ça. Hein. Certains? Tu votes pour Roger. Ah mais Roger, ça va être compliqué de lui faire des gosses. Hein. T'imagines la bistouquette de Toya là-dedans? Le pauvre Roger, il explose. C'est pas sympa, là, quand même. Certains. Eh, j'ai dit qu'il était définitif. Oui, c'est vrai que vous avez changé du tout au tout. Vous êtes passé de la totale blonde à la totale brune. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, après tout. Hein. Bien sûr, je refais un autre sondage. On va avoir un troisième résultat. Ça va être un 50-50 pile. C'est bien, elle fait le ménage. Ce sont des dimanches et ils travaillent. Et ouais, on est comme ça, nous. On est à 1h23 de live. Bon, bah écoutez, ce sera pas mal. On va faire la journée, évidemment. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. Et puis, on va renforcer les liens avec Manon. Manon. Et la semaine prochaine. Hein? On t'a dit c'est définitif, bah oui. J'ai tourné Kazakh. En voyant la brune, ça veut dire quoi tourner Kazakh? Elle qui s'appelle Orio Kazakh? Oh, il y a encore la bouffe qu'il avait fait. Bah, va manger ta salade avant d'aller bosser. Oh, regardez. Tu vas aller te détendre après. Oh, il aura même pas le temps de se détendre. Le soleil se lève, là. C'est trop agréable. On est censé être en hiver, hein, les enfants. Voilà, je vous laisse méditer sur... Ah, retourne sa veste. Changer d'orientation sexuelle. Comment ça? Carrément, toi t'as... C'est calme, c'est beau. Hein. Prenons le temps un peu de... se poser. D'admirer le paysage.
s'endormir un peu. Ah, lui aussi, il prend son temps. Mais je garde Iowa quand même. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Iowa. Il va falloir que je le ressorte de sa baraque pour qu'on puisse continuer un petit peu en live. À moins que vous voulez qu'on passe déjà sur le Bachelor. Comment ça, pense à la rediff? Et bien sûr, nous allons travailler. Puisque nous sommes utiles à la société des Sims. Ah, il va falloir, Anna. Au pire, je mettrai un post sur l'onglet communauté, comme quoi il va falloir, quand on s'y mettra. Voilà. Je le dirai. C'est pas possible. Il n'y a jamais les mêmes collègues. Là, c'est jamais les mêmes. Et là, hein, bah là, c'est dommage. Hein, c'est... Bah, c'est astré. Hein, ça, c'est astré, hein, par contre. Hein, ça, là, je sais que c'est astré. C'est Martial qui m'a fait ce foyer et je sais qu'il a pris astré. Donc, c'est astré. Tu peux faire une famille astré? Oui, mais je sais. Oui, Rocky, mais je ne comprends pas quand tu me dis ça. Je ne sais pas de quoi tu me parles, donc... La chaise musicale des flics. Ah putain, j'aurais bien aimé faire des gosses avec Astré. Aïe, tant pis. Astré, j'ai pas besoin de vous la montrer si vous avez été sur YouTube. Bon, logiquement, vous connaissez. Vous savez quelle tête elle a. Elle est aussi dispo sur la galerie. Elle est flic, c'est autorisé. Ah oui, je sais bien, mais... Vous avez voté pour Manon, hein, elle était pas, elle s'est pas pointée, hein, donc bon. C'est pas Astré, si c'est avec un AI. C'est exactement ça. Comme ça, on lui fera la famille. Non mais fous-la enceinte. Tu veux, vous voulez qu'on la mette enceinte, la petite Astré? Allez, on va mettre la petite... début de la grossesse. Alors avec qui? Parce qu'on va choisir de la qualité quand même pour Astré. Qu'est-ce qu'il y a tout? Oh là là. Pourquoi il n'a pas de frère, Toya? Parce que bon. Oh la vache. Oh mon Dieu. L'évolution de certaines familles n'ont pas fait que du beau, hein. Ah, il n'y a que ça. On peut même mettre les Tolardi. Et même les Tolards, ils peuvent mettre enceinte. Hein. Un cousin. Bah non, les... Non, bah non. Attendez. Chamallow. Mais ils sont pas assez âgés, les enfants de Sakura. Je sais même pas. Je sais même pas quoi ils ressemblent, en vrai. Bah non, malheureusement. Elle peut se reproduire avec elle-même, avec le MCC. Allez, on va aller. Allez, défi. Elle aura des jumelles. Elle se reproduit avec elle-même. Elle est hermaphrodite. Elle s'auto-féconde. Elle aura des jumelles filles. Elle va faire des clones, quoi, en gros. Elle va faire des clones. Laurent. Non, ils sont trop dégueulasses, tous. Pas grave. Je me suis fait mal. J'ai un ongle qui est... Je me suis griffé l'œil. Tabarnak. Analyse réussie. Faire de l'exercice. Ajouter des indices. Eh ben, tu vas ajouter des indices. Bah déjà, il faut que tu le commences parce que tu l'as pas encore fait. Sachant qu'on a analysé un indice du crime d'avant. Hein, de l'enquête d'avant, mais c'est pas grave. Ouais, bah si, en fait, je l'ai... Oh, ils m'énervent avec leur festival, là, toutes les deux secondes.
Je l'ai vu quand j'ai commencé à utiliser les MCC comme ça, en fait, ils peuvent se reproduire avec eux-mêmes, c'est un peu bizarre. Donc, mais bon. Ça va, Astrée, elle est pas dégueulasse, donc ça ira bien, Kofi. Demain, j'ai essayé trop génial de faire un clone. Enfin, je crois que ça fait un clone, je sais pas, hein, j'ai pas été voir jusqu'au bout. Comparer les informations. Toi, t'es moche. Tu t'en vas. Au revoir. Allez, casse-toi. Casse-toi. Chamé Mouchka. Jouge. Oh, on va encore analyser. Oh là là, la duchesse, elle va partir. La duchesse, elle va partir. Duchesse, elle va crever. Duchesse, elle va crever. Elle va mourir. Donc il va falloir remplir la maison. Non, mais regardez-moi ça, là. Toi, tu vas démissionner. Tu vas en avoir marre, en fait. Code de triche. Parce que quand je changeais d'enquête, je jetais les preuves. Wow. C'est, ils font pas la différence, hein. Ajouter des indices. Tu vas ajouter des indices. On va aller sur la scène de crime après. Je suis sûre qu'on va encore découvrir des nouveaux... des nouveaux collègues. Allez, go. Pam, pam, pam. Alors, sur une scène de crime, vous pouvez trouver des indices qui vous aideront à identifier le suspect. Pouf. Ouais. Qui c'est qui a fait plein de caca par terre et qui a pas recouvert? Alors. Alors, qui sont les collègues du jour? Thierry. Encore Thierry. Tatsuya. Et Juliette. Jonathan Roussel et Émilie Cheverny. Et monsieur. Théo Nu. J'ai cru qu'il était marqué Théo Nu. J'ai failli avoir très peur. Prod photo, prod échantillon, prod photo, prod échantillon. Ils se sont fait voler leur maison! Incroyable! Ils avaient une maison, un soir ils sont rentrés chez eux, il n'y avait plus de maison. Elle avait disparu comme ça. C'est fou, hein. Du coup, bah, ils ont appelé la police. Et on avait une maison et elle n'y est plus. Vous avez une preuve qu'il y a une maison ici? Les maisons vides, maintenant, terrain vide. Non, il n'y a pas assez de preuves, là. Ça va être chiant. Hein. Alors, on va recueillir monsieur. Alors, enregistrer la déclaration. Et monsieur. Qu'est-ce que tu me racontes tes histoires, toi? Hein? D'accord. Ah, Thierry est actif. C'est bien pour lui, non? Tu prenais la déclaration de qui, en fait, là? J'ai pas compris. Thierry n'a pas fourni beaucoup d'informations, mais peut-être que cela sera quand même utile pour résoudre l'affaire, d'une manière ou d'une autre. Mais vraiment, Thierry, tu pues de la gueule. T'es pas foutu. Mais attendez, c'était qui? C'était lui que j'ai. Alors j'ai cliqué sur lui, il a interrogé les autres. Tu vas recueillir monsieur. Mais bon, Lauren, ça se lâche là? Coquine? En fait, par les extraits terrestres, même la boîte aux lettres a disparu. Ah! Naga! Ah, il y a des tombes! Ah non, c'est bon, ils ont retrouvé des Anaïs Denis et Aurélie Denis. Voilà, c'est la famille Denis qui repose en paix. Ils ont laissé des vieux tags. Théo n'a pas fourni beaucoup d'informations, mais c'est super ça, c'est intéressant. Tu parles de témoins.
Et les tombes. Finalement, ils ont creusé dans le jardin, ils ont trouvé mamie, ils ont dit on va la laisser, faut pas déconner non plus. Eh, je m'appelle Xavier Dubon de Ligonnès, là moi je laisse les cadavres où ils sont. Oh, un petit peu de vanne, je sais, c'est horrible. Je suis désolée. Ça s'appelle de l'humour noir. Parce qu'ici, on n'est pas raciste. C'est comme ça. Oui. En paix ou en paix, les deux. Sachez qu'un corps en décomposition produit des bruits bizarres, hein, et ça pète. Pas par là où vous pensez. C'est un disque qui a fait la gaffe. Non, si, est-ce sous la terrasse. Ouais, c'est sous la terrasse. Oui, bah écoute, là, il n'y avait pas de terrasse vu qu'ils ont tout enlevé. Hein? Donc, ils ont laissé les tombeaux, c'était possible de les laisser. je suis horrible. Ajouter des indices. On va ajouter des indices. On va analyser des preuves, tabarnak. Est-ce qu'on met Astrée dans la compète? Ah non, c'est bon, elle est déjà enceinte, c'est vrai. Oh, ça va, un petit clic, elle l'est plus. Hein. Ça se trouve, il regarde ton live et ça la fait bien rire. Ah bah, salut, Xavier. Fait beau par chez toi? J'espère pas, parce que franchement... Je voudrais pas divertir des criminels, moi. Ça ira. Oui, on peut prouter après la mort, les gâches se relâchent toujours. Mais la question pour Marie, c'est est-ce que toi, tu vas roter encore? Parce que... Putain, la cam, elle est bien descendue, dis donc. Parce que si ton corps peut encore roter après la mort, tu vas nous faire un truc des enfers. Déjà que comme ça, en étant vivante, laisse tomber. Salut Nika, ça faisait longtemps, comment vas-tu? Faut la mettre dans la compète, ouais mais elle est déjà enceinte. C'est dommage. Maintenant c'est définitif, oui. Bah oui, quelle question, je retrait pendant ma messe d'adieu. Quel enfer. J'imagine trop la scène, tu sais. T'as tous les gens qui sont tristes. Enfin bon, avec toi, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens, mais bon. Et ils seront là. Et puis... Ça vient d'où, ce bordel? Beaucoup mieux? T'étais malade, Nika? Il est possible de roter après la mort. Oh, merde! Oh merde, vous allez souffrir les gens. Hein. Faut pas que Marie elle meure. Ou hein. Faut qu'elle meure après vous. Hein. Parce que je pense que ça va s'entendre à travers le système solaire. Hein. Faites gaffe. Hein. Je viendrai pas je vais me faire nipper. Oh putain, qu'est-ce qu'on en dit des conneries quand même. Au moins ça qu'avec mes parents et mes frères et sœurs. Oh, bon, on verra. Ouais, franchement. Maman, mamie vient de rôter. Mais non chérie, c'est pas possible, elle est décédée. Ah, t'étais pas au top? Bah j'espère que ça va mieux, ouais. Tant mieux. Ah, le moral, c'est important dans la vie. Hein. Bah fallait venir, nous on dit toujours des conneries, tu sais. Ah et donc il analyse. Hein. Encore. Tu peux faire une famille Astrée? T'inquiète, elle en aura une maintenant. Elle a fait un bébé toute seule. Ta-ta-ri-ta-ri-ta-ta-ta-da. Et non, Marie. Et non. Hey, ça, encore analyser une... Mais sérieux? On va tout analyser, on va tout faire. On va faire que ça. Vous êtes horrible. On va changer de sujet quand même, s'il vous plaît. Parce que j'ai fait la vanne de l'autre, là. Des tombes dans le jardin, là, avec Xavier. Échec de l'analyse. Bah, bravo, Toya.
C'est une blague, tu dois encore le faire? Vas-y, tu vas changer de machine au moins. En fait, il en a marre, là. Il en fait 15 par jour. Et où est Manon? Bah, elle est pas là. Ça va, lui, il était pas trop dégueu, en vrai. Bon, il a les yeux marrons, mais... Astrée, elle a pété le... Oh là là, tous les ordis pètent. Oh là là, tous les ordis sont cassés. Pire qu'un spoil de goth. Oh là là, merde. Eh ben, viens, eh ben, re-bienvenue, Nika, pas de soucis. C'est RTT pour Manon? Ah, oui, oui. Analyse réussie, compare les informations. Il reste qu'un seul... On peut pas les réparer, c'est une blague. Ah, je suis désolée, mais tu vas te casser. Ah, t'es une femelle, toi? Bah, dégage. Hop. Fou le camp. S'en fout, il est célibataire. Le seul unique PC. Prends le PC du boss, bah oui bien sûr. Déjà qu'il nous aime pas beaucoup. On peut pas les réparer, j'ai eu le seum la dernière fois. C'est chiant. Et allez, on s'en fout, c'est pas ton pote. Comparer les bases de données. Oui, je fais que le truc qui bouge, moi, vous avez remarqué? Bon, allez, sur la scène de crime, on vient d'y aller, et prendre des photos, c'est un peu plus long, alors c'est pour ça. Oh, il pense à son papou! Oh! Oh! De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter sur cette journée-là, parce qu'on sera sur une bonne rediff. Je sais que... Vous aimez bien quand c'est un peu plus long, hein, bande de coquins à niveau de sur Twitch, mais bon. Faut penser à la rediff aussi. Qui en a marre de voir 2 heures et qui se fait chier. Sorte qu'on peut les réparer, c'est relou, des fois les Sims cassent tout. Ouais. Indice découvert. Suspect porté un haut à manche longue. Oh, dingue. Moi je porte pas un haut à manche longue. Ils s'en pensent à son papou tout mort. Bah oui! Bah mon petit papou, cham cham! Il y a quelqu'un sur YouTube, elle m'a trop fait rire. Désolée, j'ai oublié le pseudo. Hein. C'est. Oh, ma chamallow, il est devenu. Il était devenu tout vieux et tout mou, comme son prénom. Ça m'a fait rire. Ouah, elle l'a mieux dit que moi. Hein. Alors, un indice. Bah j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était l'indice. Indice découvert. Porter un pantalon! Non! Tu me diras tout à l'heure, lundi c'était porter une jupe. Donc c'est vrai que ça change. Hein. Bah t'es claqué mon toto. Oh la vache. Je suis désolée pour le bruit de PC, hein, c'est pas le mien. Un ado. Allez patrouiller, prends des photos. Allez sur la scène de crime. Oh tu vas prendre des photos. Madame. Madame. On vous a arrêté pour exhibition sur la voie publique ou comment ça se passe là? En plus, je crois que c'est une flic, elle. Hein, c'est, oui, c'est. D'accord. C'est une flic. Pourquoi pas, après tout. Rachid, on l'a déjà pris. On va prendre Eri. Eri. Madame est enceinte en plus, hein. C'est une honte pour votre enfant. Hein. Oh, ma petite Astrée. Elle est belle. Elle est dispo sur la galerie. N'hésitez pas à vous abonner sur la galerie, c'est gratuit. Salut Santa, comment vas-tu? La jeunesse en décadence. Ouais, c'est ça. Donc Toya, elle va tomber par terre. C'est la faute à Voltaire.
Elle a une drôle de couleur de peau quand même, je veux pas être méchante mais... Ah tu vas prendre les empreintes aussi, vas-y on va faire la totale. Ah attends, faut que tu fouilles avant. Tu vas la fouiller, fouiller la susproute. On va voir si elle cache des choses illicites. Un canard vibrant, une banane, une courgette. Allez, vas-y. Y'a rien ? Ah ! Ah, c'était quoi ? Des menottes, la coquette ! Voilà, ouais. J'avoue que là, c'est un peu dangereux. Moi, je m'attendais à une botte de poireaux, par exemple, mais là... Et le pire, c'est que... Hein, quand même, hein, elle est en prison, mais elle a quand même ça sur elle. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ok. Non, non, mais c'est un hôtel, le machin, ici. Tout le monde fait ce qu'il veut. Parlez au chef, mais il est où, le chef ? Vous l'avez vu, vous, le chef ? Il est parti, il est rentré chez lui, hein, on est d'accord, hein. Il est pas là, le chef. Hein. Ouais. Je sais pas, va dormir. Tu peux taper une sieste, là ? Vas-y, va taper ta sieste. Le chef étant pas là, j'ai pas envie d'aller patrouiller ou d'aller sur la scène de crime, quoi, au bout d'un moment. Hein. Ça ne sert pas à grande chose, on va dire. Hein. Oh oui ! Il a été promu détective, il gagnera désormais 14 sinflous par heure, soit 52 sinflous de l'heure au total. Il a également des ressources en bonus, la fenêtre esthétique, la fenêtre teintée, la complainte du prisonnier, la porte de sécurité parée à toutes les éventualités et la double porte métal brossée et une petite prime de 304 sinflous. Il commence mardi à 9h. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, nous commencerons le notre sauver l'épisode. En tout cas, il travaillera pas. Il sera en week-end et il pourra conquérir Manon. Voilà, voilà. Magnifique machette. Qu'est-ce qu'elle a dit, Anne ? Il était où le couteau ? Il est comme le steak. Il était caché. J'ai bien cliqué parce que j'arrive plus. Alors, ton fils a été élu, Germaine. Vérifie, hein. Il est bien en week-end, donc c'est cool. On commencera la semaine pro, on pourra draguer Manon. Salut Skynet. Eh ben écoute, ça va bien et toi ? Bienvenue. C'est ce que j'ai pensé. Bah oui. Regardez, mamie, elle regarde quoi ? Elle regarde des trucs avec des beaux mecs. Oh là, oh bah oui ! Mais ça va, mamie ? Hein ? T'as la chaleur, hein ? Ah oui, c'est la météo. Regardez, demain, il fait grand soleil. Ou de la neige, ou de la pluie, on sait pas. Ah, bah rien du tout, au final. Nana, tu vas pas dormir, Jacqueline ? T'es encore à bouffer, alors que mamie est encore en train de passer l'aspirateur. Comment ils vont, Roger et Merguez ? Et Roger et Merguez se marièrent. Ils eurent des quadruplés qu'ils prénommèrent. Et Gustave, Alphonse, Arthur et Philibert. Et leur apprirent le. Et leur apprirent le. Et leur apprirent le. Et c'est encore l'heure de la pub, Martial, t'es sûr ? Allez, parce que c'est la fin de l'épisode et parce que la pub a été demandée encore une fois. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous voyez une pub. Parce que vous contribuez à ma très 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 immense richesse qui s'appelle l'argent. Et on se retrouve juste après. Est-ce qu'il fait un plat ? Ah, ça, je veux dire, et ça pourrit jamais le machin. Tiens, tu feras le ménage après. Ça va, Montoya ? Bah oui !
Montoya, c'était un peintre, ça, Montoya. Attendez, on va se faire plaisir, nous, on va aller prendre un bain. Ça flouffe un peu dehors, hein. Ça flouffe un peu. Madame a sorti sa petite robe d'été. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben pour une fois, il y a un Sims qui est plus beau de profil que de face. Oh fuck. Ah ouais, ça a fait des ravages le MCC, hein. Madame. Madame Sato. Je suis désolée. Ah, attends, t'as Roger qui a chié dans sa cage. Faudrait que t'ailles le nettoyer. Ah ben voilà. Un premier lapin est apparu. Elle a pas fait passer l'aspirateur, donc voilà. Elle s'est chopée un. Et Touya s'endort tout simplement. Le petit Totoya s'endormait tout simplement dans sa baignoire chantante. Il n'a pas pu se toucher, non, tout le monde le regardait. Et alors il s'est réveillé. La tête. Elle est bonne, wesh, mais ça va pas bien, Martial. C'était un peintre, en effet. Connais pas Montoya. Ah, mais on ne s'arrête pas, je croyais que tu voulais couper le live à la fin de la journée. Oui, si, si, bah, il va aller se coucher. Et puis on va s'arrêter là. Salut, Gotorita! Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. On le laisse se laver un petit peu, se rafraîchir, se détendre les boules, et puis ça sera bien. Regardez, il s'endort. Comment ça, catastrophe? Voilà. Va dormir, mon petit. Elle va nettoyer Roger. Elle aussi. On va attendre qu'elle va se coucher aussi, même si elle dort jamais, elle. Elle a nettoyé Roger. Voilà, on va passer l'aspirateur. Le lapin a disparu. Vous avez pas vu? Oui, il a une baignoire dans sa chambre. Guillaume, t'as tout loupé. Marina va choper la maladie du rongeur? Roger lui a refilé la. Ah merde alors! Marina se sent pas très bien. Une douceur lancinante envahit son crâne et elle n'arrive pas à arrêter de tousser. Fièvre et vertige dans 22 heures. Maladie de rongeur transmissible. Mais Roger, mais on t'a sauvé 9 fois de la mort. C'est comme ça que tu remercies? Alors ça, on voudrait le faire exprès dans le Legacy, par exemple. On n'y arriverait pas. Oh barde! Oh tabarnak! Oh sérieux! Mais Roger! T'as mal vécu de te faire cramer le cul? Oui, bah au pire, même si elle meurt de ça, Toya, on le soignera, c'est pas un souci. Mais. Je suis choquée! Mais c'est pas du juste en fait! Parce que n'importe quand on voudrait le faire, on n'y arriverait pas! Je suis tristesse. Bon bah vas-y, occupe-toi de merguez! Non? Bon. Ah,
Talky Boo. Quoi, Eva? Mais franchement, s'il te mord encore. Non, là, il est sympa. Je sais pas, je l'ai pas vu se faire bouffer en fait, j'ai pas fait attention. On était sur Toya dans sa baignoire, donc j'ai pas compris. Et son petit air satisfait. Hein? Ah oui, il est vicieux, hein. Comme quoi, n'importe quelle taille, ça peut être vicieux. Hein. Oh, c'est... Non, mais franchement, je suis circonspecte, hein. Bah oui, bah va te coucher, va. C'est pas grave, tu mourras d'une autre façon que les prédécesseurs. Pourquoi pas? À moins que elle clignote, hein. Il y a moyen qu'elle meure de vieillesse avant. On verra bien, on va laisser les choses se faire. On va laisser les choses se faire. Et bah écoutez, encore un cliffhanger pour que vous puissiez revenir la semaine prochaine. Puisque bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En espérant que cet épisode du Not So Berry vous aura plu. On se retrouve donc mercredi prochain pour Twitch. Samedi prochain pour YouTube. Donc voilà. Je vous fais des bisous YouTube, on se retrouve donc la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit com évidemment, comme d'habitude, vous avez l'habitude pour... Bon, je sais que Not So Berry, c'est pas l'épisode le plus vu, c'est normal, mais au moins ça me fera plaisir. N'hésitez pas à donner aussi votre avis sur les filles qu'on a vues, et puis normalement c'est Marina. Normalement c'est Manon. Allez, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et à très bientôt sur YouTube et compagnie. Ciao ciao.